Pierre Arditi aime la bonne nourriture et le bon vin au point qu'il leur a consacré un livre. Un côté bon vivant qui lui a fait tort alors qu'il s'apprêtait à interpréter Don Juan sur scène. Toujours boire avec modération, surtout lorsqu'on s'apprête à monter sur scène. Pierre Arditi a appris cette leçon à la dure. L'acteur bon vivant, qui a publié le livre Les goûts de ma vie le 10 octobre aux éditions Hugo Document, est un amoureux du vin. Un amour qui a eu des conséquences désastreuses. Dans une interview publiée dans le dernier numéro du Point, en kiosque ce jeudi 5 décembre, il a raconté un moment où se penchant pour l'alcool est parti trop loin. Ça m'exaspère, car je ne suis pas un homme modéré, a-t-il déploré. Je peux avoir des emportements, comme ce jour où je participais à une dégustation de côté rôti, alors que je jouais Don Juan le soir, à Saint-Étienne. Les verres se sont enchaînés, et le comédien sans filtre s'est retrouvé sur scène en état d'ébriété. Je me disais à chaque verre, tu ne peux pas recracher ça. Si bien que je suis arrivé sur scène ivre mort. J'ai joué comme un porc et appris là que le vin pouvait se transformer en ennemi. Point. Après cet épisode, Pierre Arditi a appris à se contenir. Quand je conduis, je ne m'autorise même pas un demi-verre. Et je combats l'addiction à l'alcool. Il ne faut pas laisser le vin décider à votre place. Je ne bois pas pour que ça aille bien, mais parce que je vais bien. Plus de 30 ans après avoir interprété le séducteur sur les planches, le comédien anciennement accro au jeu reste un amateur de bon vin. Pour lui, le vin, c'est la vie, et c'est ça qu'il faut célébrer car, à un moment, ça va s'arrêter.